Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce que Yahushua est vivant? J'ai l'impression que tout le monde est timide. C'est quoi? C'est le froid? C'est le froid? Là où Yahushua est, la vie. Amen. Est-ce que nous sommes contents d'être là? Est-ce que Yahushua est Seigneur? Est-ce qu'il est Seigneur? S'il est Seigneur, on dit Amen. Amen. Et lui seul mérite toute la gloire. Parce que je crois que si nous avons le souffle, ça n'émane pas de nous, mais ça vient de lui. Et si nous sommes encore là ce soir, c'est pour lui et lui seul. Lui seul doit être élevé, magnifié, exalté, glorifié, célébré, adoré. Et là où il est, la timidité, dehors. La peur, dehors. Amen. Je suis fier de voir mes frères et sœurs. Yahushua est Seigneur et il mérite toute la gloire. Amen. Nous allons acclamer le roi des rois et le seigneur des seigneurs, car lui seul mérite l'honneur, la majesté et la gloire. Seigneur, tu mérites toute la gloire et tu mérites la majesté. Je vais inviter ici nos frères, Jean-François. Ça, c'est notre bien-aimé qui vient de Côte d'Ivoire, qui nous a encouragé un petit peu. Bonsoir frères et sœurs, je suis très content d'être là. J'avais un peu de trac, mais c'est passé un peu quand même. Vas-y, merci au Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur Yahushua pour tout ce que tu permets, pour ce moment que tu permets, toutes ces personnes réunies aujourd'hui. Seigneur Père, donne-nous de recevoir ce que tu as prévu pour nous, dans le nom puissant de Yahushua Mashiach. Amen. Amen. Donc, je me présente, Jean-François Kouakou, je suis de la Côte d'Ivoire, ancien esclave du mensonge, du vol, de beaucoup de choses bizarres, qu'on ne va pas citer ici parce qu'il y a des enfants, ancien esclave de beaucoup de choses, et libéré par l'amour infini de Yahushua Mashiach pour son prochain. Je suis Jean-François Kouakou, qui ne maîtrise pas forcément tous les versets, qui ne maîtrise pas forcément l'hébreu, le grec, l'arméen. Je suis Jean-François Kouakou qui, souvent, quand il doit intervenir, sa femme doit lui taper un peu pour dire « Ah chérie, c'est arrivé là, c'est bon. » Ça dit, je suis Jean-François Kouakou, votre frère dans le Seigneur, avec toutes ses insuffisances, avec tous ces défauts. Mais la parole dit qu'il y a une diversité d'actions, mais c'est le même esprit qui agit en chacun d'entre nous.
Je suis Jean-François dans le Seigneur. Jean-François, plutôt, votre frère dans le Seigneur, par rapport à l'esprit que le Seigneur nous a communiqué et par rapport à l'amour que le Seigneur nous a communiqué à tout un chacun. Un des versets forts de la parole, c'est Jean 3:16, Johannes 3:16. Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est fort. Il a tant aimé le monde. Le monde, c'est les personnes qui vivent dans le péché, qui sont comme moi, qui étaient dans beaucoup de mauvaises choses. Mais malgré cela, il nous a tant aimé qu'il a donné le seul fils qu'il avait afin que nous puissions avoir la vie. Moi, j'ai un fils, j'imagine pas en train de l'offrir pour qui que ce soit, quoi que ce soit, quoi. Tellement que je tiens à lui, malgré cette bêtise. Mais je n'imagine pas comme ça en train d'offrir mon seul fils que j'ai pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais le Seigneur, lui, l'a fait pour nous. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Pour toi, mon frère du Gabon. Pour nous tous ici, il a donné son fils unique afin que nous puissions avoir la vie. Et tout à l'heure, on partageait avec les frères et sœurs. On oublie souvent l'essentiel, quoi. On oublie l'essentiel de la relation qu'on a avec le Seigneur. Certains se disent que c'est une relation d'activisme. Il faut faire. Il faut évangéliser. Il faut prier. Il faut méditer. Il faut. Oui, il y a tout ça à faire. Mais on oublie la source de tout ce qu'on fait. Yeshua nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. C'est ça l'essence de la relation. C'est ça l'essence du sacrifice qu'il y a pu y avoir. La relation que nous avons avec Yeshua, que nous devons avoir Yeshua, c'est une relation basée sur l'amour. C'est de l'amour que tout prend son essence. Ce n'est pas des choses qu'on fait qui montrent qu'on aime le Seigneur. Parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'il nous remplit, parce que nous avons une relation avec lui, que tout le reste maintenant se fait. Sinon, on va être un peu comme souvent des personnes à qui on dit, eh bien, il faut prier de 6h à 7h. Et le monsieur est discipliné de prier de 6h à 7h, il n'a pas envie, il ne sait pas pourquoi on le fait. Et vous allez voir que dans plusieurs religions, je ne citerai pas de religion, c'est comme ça. Il faut prier de telle heure à telle heure, il faut avoir 12 prières dans la journée, etc. Il faut. Et souvent, moi avec mon fils, parce que j'avoue que je suis un peu plus dur avec mon fils que ma fille. Ma fille, c'est... Ouais, non, c'est ma fille, quoi. Ouais, ma fille. Même si elle fait des bêtises, qu'elle me sourit, sa mère se moque, parce que c'est vrai. Et je suis beaucoup rigoureux avec mon fils. Et souvent, je m'arrête et puis je me dis, bon, ouais, là, tu es en train de dépasser un peu la mesure, quoi. Parce qu'il faut que tu fasses des choses avec amour. Pas, ne fais 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 pas. Et on va prendre un verset, si vous permettez. On est dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Au verset 5, au verset 3. Et ici, la parole nous parle de... la parole nous dit d'abord que Christ, Yeshua, est notre époux. Il faut qu'on le sache. Le Seigneur est notre époux. Nous sommes fiancés au Seigneur. Le Seigneur est notre époux. Et il allait nous préparer une maison afin que nous puissions être ensemble pour l'éternité. Oui, ça, c'est la base, c'est une des bases des relations qu'on doit avoir. Dans notre vie de tous les jours, quand on est bloqué sur le périph', dans les embouteillages, avec tout ce qui peut y avoir comme problème, on se dit, le Seigneur est notre époux. Et par amour pour nous, il veille sur nous. Et il allait nous préparer une demeure afin que lui et nous, on soit ensemble pour vivre une relation d'amour pour l'éternité. Même quand ton employeur te dit des mauvaises choses, t'insulte, la pression du travail, les données. Là, quand je suis venu en mission, même, j'ai des rapports que je devais terminer, donc j'ai dû le faire le 31 jusqu'à 1h du matin. Pff,
mais sache que le Seigneur est ton époux. Et là, dans ces récits-là, on parle d'un dialogue ou bien d'échange qu'il y a notamment, entre autres, entre la Shulamite, qui est l'image de l'épouse, et de Shelomon, qui est l'image du mari, du Seigneur. Ça va? Et j'aime bien ce passage-là, ces passages qui sont là, au fait. J'aime ça. Quand c'est difficile, j'aime ces passages-là. Et dans Cantique des Cantiques 5 au verset 3, la parole, la Shulamite parle à des personnes. Elle dit, on va lire au verset 4. Mon bien-aimé a avancé la main par le trou et met. On va lire au verset 5. Hein? Au verset 5, c'est mieux. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et la mire a distillé de mes mains et la mire coulant de mes doigts sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il est parti au loin. Mon âme était hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Ils m'ont battu. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murailles. Fille de Yerushalayim, je vous en conjure, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous que je suis... Enfin, on peut le dire ensemble que je suis... Aïe, c'est fort, hein? Je suis malade d'amour pour mon bien-aimé. Alléluia. Souvent, on oublie ça, hein? Souvent, on est dans l'activisme et tout ça, oui. Mais regardez ce que la Shulamite dit. Regardez ce que l'Église dit à Christ. Elle est troublée parce que son bien-aimé devait venir lui rendre visite et elle ne l'a pas vu. Donc elle est troublée. Mais où est mon bien-aimé? Mais bon. Elle dit, fille de Yerushalayim, je vous en conjure, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous que je suis malade d'amour pour lui? Malade d'amour. C'est ça la relation entre l'Église et le Christ. Et on va lire un autre passage encore. Là, c'est Shelomon maintenant qui parle de la Shulamite, qui parle à la Shulamite. Et on va juste passer au chapitre 6, au verset 8. Non, on va même lire au verset 4. Ouais. On va lire au verset 4. La parole nous dit, ma grande amie, tu es belle comme Tirsa, agréable comme Yerushalayim, terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galate. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent du lavoir. Toutes portent des jumeaux et aucune n'est sans enfant. Ta tempe est comme une pièce de pomme de grenade derrière ton voile. Aïe, c'est fort. Les reines sont 60, les concubines 80, les vierges innombrables. Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique pour sa mère, la pure pour celle qui l'a enfantée. Les filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui paraît comme l'aube du jour, belle comme la lune, pure comme le soleil, terrible comme des troupes sous leur bannière? Ça, c'est le Seigneur qui parle à son Église. Vous voyez comment le Seigneur... Waouh! Vous voyez comment le Seigneur, il est merveilleux. Comment il nous aime. Regardez comment il parle. Regardez des paroles aussi douces, aussi belles. Des paroles aussi douces, aussi belles. Je ne sais pas qui peut avoir des paroles comme ça pour parler de cette manière-là, si ce n'est pas le Seigneur. Comment il nous aime. Quel amour il nous manifeste. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais ces chapitres-là nous parlent de l'amour que le Seigneur nous manifeste. Nous parlent de la profondeur de l'amour que le Seigneur nous manifeste. Nous parlent de à quel point le Seigneur est désireux de nous revoir. À quel point le Seigneur soupire après le fait de nous retrouver. À quel point le Seigneur veut avoir cette relation d'amour avec nous. À quel point la relation d'amour entre l'Église
et le Seigneur et entre le Seigneur et l'Église. Et le Seigneur, même dans le livre de Marcos, Marcos 12, il nous indique que la première chose qu'on doit aimer, ce qu'on doit prioriser avant tout le reste, c'est lui. C'est l'amour qu'on doit lui manifester à lui. Et aujourd'hui, on a perdu de vue. Hein, on a perdu de vue cet amour-là. Et le Seigneur nous dit qu'il veut nous revoir dans cet amour, dans cette intimité, dans cette relation de corps à corps, dans cette relation d'intimité avec lui. Il soupire après cela. Ces paroles qu'il a dites, c'est ces paroles qui s'adressent à nous. Je veux dire, pour l'éternité. C'est les paroles d'amour qui nous adressent au quotidien, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. Et il veut que nous puissions avoir ce corps à corps. Il veut que nous puissions avoir cette relation d'intimité, cette relation d'amour. Et c'est avant tout pour ça qu'il nous a sauvés. Parce qu'il nous a tant aimés qu'il a fait un sacrifice afin que nous puissions avoir la vie. Ne perdons pas de vue ça. Frères, sœurs, ne perdons pas de vue ça. Beaucoup d'entre nous perdent de vue cela. Beaucoup d'entre nous regardent à plusieurs choses. Beaucoup d'entre nous perdent la simplicité, la pureté de la relation avec le Seigneur. Pour regarder à les intérêts personnels, pour regarder à la compétence à la prédication, pour avoir les honneurs, pour regarder aux intérêts financiers, pour regarder aux intérêts charnels, pour regarder à qu'est-ce que les gens penseront de nous, pour regarder à plusieurs choses qui les rattachent à cette terre. Et ils perdent de vue l'objectif qui est de pouvoir avoir un autre niveau de la relation d'amour avec le Seigneur. Tout à l'heure, quand on était pendant le partage, on avait eu à donner un verset là, au niveau de Apocalypse 2, au verset 2. Je vais juste donner encore ce verset-là. La parole dit, « Je connais tes œuvres et ton travail et la persévérance, et que tu ne peux pas supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as supporté et que tu as eu de la persévérance, et que tu as travaillé dur pour mon nom, et que tu n'étais pas lassé. Mais, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. » Voilà ce que le Seigneur dit à tous ceux qui ont abandonné le premier amour, c'est-à-dire le plus important, la relation, l'intimité avec le Seigneur. La vie de consécration pour connaître davantage le Seigneur, pour aimer davantage le Seigneur. Ici, on parle de personnes qui ont fait beaucoup de choses, qui ont beaucoup prêché, qui ont beaucoup dénoncé, qui ont beaucoup fait des missions, qui ont beaucoup fait des évangélisations, qui ont beaucoup fait beaucoup de choses. Il dit, oui, je connais tes œuvres. Tu as beaucoup travaillé. Mais est-ce que tu t'es connecté à l'essence, la chose la plus importante? Est-ce que tout ça c'était basé sur l'amour que tu avais pour moi? Est-ce que tu priorisais les temps de prière avec moi pour recevoir mon orientation? Est-ce que tu priorisais les temps de méditation de la parole pour savoir, pour me connaître et pour aller en profondeur avec moi? Est-ce que tu priorisais ça? Ou bien tu te laissais emporter par « Allez, on fait ceci, on fait cela. » Et aujourd'hui, quand je fais un peu le bilan,
J'en parlais avec des frères et sœurs. Chaque année, vous voyez, chaque année, il y a des personnes qui se convertissent. Aujourd'hui, par exemple, on a vu lors du programme, il y a 60 personnes qui sont converties, plus de 60 personnes qui sont converties. Ça, c'est en 2022, 2023, comme c'était à cheval. Et vous allez voir que l'année prochaine encore, il y aura des personnes qui sont converties, qui se convertiront. Et j'ai échangé avec une personne et je disais, waouh, quand on regarde derrière, quand on regarde année par année, les frères et les sœurs avec lesquels on a marché, il y a beaucoup qui sont plus là. Quand on regarde en griffe, quand je dis en griffe, hein, la promotion 2015, la promotion 2016, c'est en griffe, hein, comprenez mon langage. Hein. Quand on regarde ceux qui sont convertis en 2015 avec telle ou telle personne, vous allez voir que il y a plein qui sont sortis du chemin. Il y a plein qui se sont détournés. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré privilégier le ministère, faire des évangélisations, faire beaucoup de choses en dehors de la volonté du Seigneur, plutôt que de chercher à être à l'écoute du Seigneur pour savoir qu'est-ce que le Seigneur leur dit. Ils ont privilégié les intérêts de personnes plutôt que d'être tranchants. Lorsqu'il fallait être tranchant pour se séparer des personnes avec lesquelles il fallait se séparer parce que c'était le péché, parce qu'un peu de levain fait monter toute la pâte. Ils ont privilégié les sentiments. Ils ont privilégié beaucoup de choses. Et quand je vois les séparations qu'on a pu faire depuis lors, et je vois ceux qui sont restés, je bénis le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur émonde. Il dit qu'il émonde et il va nous émonder davantage. Afin qu'il y ait un reste de personnes qui l'aiment, de personnes qui le craignent, de personnes qui le recherchent, de personnes qui soupirent après lui. Ces personnes peuvent dire qu'elles vont aller évangéliser dans tel lieu. Parce que le Seigneur les a conduits à le faire. Parce qu'elles ont la conviction de le faire. Parce que par amour pour le Seigneur, elles se sont mises à la brèche. On a pu voir la dernière fois avec le frère. Elles se sont assises pour recevoir, pour avoir les orientations. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On peut marcher sur des chemins, mais pas sur le chemin du Seigneur. Comment savoir qu'on est sur le chemin du Seigneur? Si on n'est pas à l'écoute, si on n'entend pas l'oreille, si on ne recherche pas à savoir qui il est, sa volonté, dans sa parole, dans la prière, on risque d'être balayé et emporté. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder à l'obéissance. Pour obéir à quelqu'un, il faut savoir ce que la personne veut. Et puis marcher selon sa volonté. L'obéissance, c'est tant le fait de entendre et de ne pas faire, que le fait de ne pas chercher à entendre et de faire autre chose. Parce que je ne passe pas mon temps à rechercher la volonté du Seigneur, je fais plusieurs choses. Mais pour ces choses-là, le Seigneur m'avait dit des choses. Et je suis en train de faire plusieurs choses, sans pour autant avoir entendu la voix du Seigneur. Pour terminer, ça c'est un aspect vraiment très important. Très, 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 très important. Le Seigneur nous appelle à être des modèles. Dans Genèse, Bereshit, voilà, le Seigneur nous dit qu'il nous a fait à son image. Et vous avez vu qu'avec avec Adam, cette image spirituelle du Seigneur a été gâchée à cause du péché qu'il a pu commettre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé maintenant son fils. On va prendre un dernier passage. On est dans Romains. Romains 8. Est-ce que je puisse trouver ça? Romains 8 au verset 28. Romains 8 au verset 28. Wow. Je me perds un peu là. Romains 8 à partir du verset 28. La parole nous dit, mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères.
être conforme à l'image de son fils. Et dans le livre d'Actes aussi, on voit que les premières personnes à être appelées chrétiens, c'est parce qu'elles avaient manifesté le caractère de Christ. C'est-à-dire quoi? Nous sommes tous appelés à être à l'image du Seigneur qui est notre modèle. Et si le Seigneur nous manifeste cet amour, il nous appelle à manifester cet amour que nous manifestons pour lui aussi à notre prochain. Cet aspect des choses, beaucoup aussi l'ont occulté. Vous avez vu comment la Shulamite parlait à Salomon, non? Ça, c'est un aspect où je peux voir deux personnes mariées. Ah, chérie, vraiment. Comme la Shulamite et Salomon. Parce qu'on a l'image de Christ, non? Et la relation, quelque part, entre la Shulamite et Salomon, c'est la relation qu'on doit avoir tous les jours dans nos foyers. C'est la relation qu'on doit avoir tous les jours, je vais dire, vis-à-vis de notre prochain, quelque part. Une relation d'amour. Parce qu'on a l'image de Christ. Si on marche vraiment selon Christ et qu'on a son image, on est amené à aimer notre prochain. On est amené à manifester de l'amour à notre prochain. Et cet amour-là, si fort que le Seigneur nous a montré, les gens doivent être choqués de cet amour-là. Moi, je donnais le témoignage tout à l'heure à un frère que j'avais vu au niveau d'une mission au niveau du Gabon. Les frères là-bas, quand ils nous auraient reçus, ils étaient vraiment très... un amour simple, pur, sans intérêt. Et ils étaient tellement allés loin dans la manifestation de cet amour-là que sur les lits sur lesquels on devait dormir, ils avaient fait des fleurs avec le drap qu'on devait prendre pour se couvrir. quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, là, ils ont fait fort quand même. Les frères, à la limite, il faut lutter ton habit sale pour ne pas qu'ils prennent pour aller laver. Non, laisse, je dis, laisse, je vais laver moi-même, laisse. Et ça, c'est un exemple. Hein. Mais je veux dire, le modèle, c'est Christ. Regardons chacune de nos vies. Regardons les relations qu'on a avec nos femmes, nos fils, nos collègues, nos frères dans le Seigneur, nos frères qui sont pas, les personnes qui sont pas dans le Seigneur. On est l'image de Christ. Le référentiel, c'est vrai qu'il est très élevé. Le référentiel, c'est Christ. Regarde ta femme. Regarde ton mari. Regarde ton fils. Comment tu traites ton fils par amour pour le Seigneur? Comment tu aimes ta femme par amour pour le Seigneur? Comment tu aimes ton mari par amour pour le Seigneur? Comment, même si c'est vrai qu'il ne connaît pas le Seigneur, tu témoignes de l'amour pour les personnes qui ne sont pas converties et qu'au travers de cet amour-là, ils puissent après se rappeler pour dire, waouh, c'est pas juste parce qu'il a fait ça comme ça par intérêt, mais je le connais depuis longtemps, quoi. Non, c'est ça. Bon, je vous avoue que j'ai pas forcément pour parler de moi, quoi. J'ai fait une expérience. Tous les matins, quand j'arrive au travail, je passe saluer tout le monde au bureau. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Souvent, on me répond pas, hein. Ça va? Ma femme rit. C'est un réflexe que j'ai. Quand j'ai dit bonjour, ça va? Souvent, on me répond pas. Mais le simple fait d'une personne, de savoir qu'une personne vient la voir pour savoir comment elle va, c'est particulier. Avant de venir, bon, dernier témoignage, il y a une collègue qui est venue à mon bureau et elle m'a donné 15 euros, 10 000 francs CFA, c'est ça? 15 euros, ouais. Je dis, normalement je suis un peu plus hiérarchiquement au-dessus d'elle, quoi. Mais j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Elle dit, non, s'il te plaît, ne refuse pas. Chaque année, au cours de l'année, parce qu'on venait avoir quelques gratifications et tout ça, au cours de l'année, vraiment, tu nous témoignes de l'amour. Et moi, je voulais faire un geste quand même pour te rendre l'appareil. S'il te plaît, ne refuse pas. Tiens 10 euros, tiens 15 euros. Toi et ta femme, achetez un poulet pour la fin d'année, quoi. J'ai dit, ça m'a encouragé. Je me suis pas moins vu élevé. Non. J'ai vu que lorsqu'on fait des choses pour le Seigneur, ça porte du fruit. J'ai pas eu à dire, est-ce que tu sais que au niveau de l'Apocalypse,
Hein, il y a 24 vieillards, ils ont déposé leur couronne, à un moment donné, c'est... Non, j'ai pas eu à dire ça. Je suis juste venu la voir. J'avais envie comme ça, j'ai dit, bon, allez, tout le monde, je vous offre des poules de Yahoo. Ah, pourquoi? C'est quoi? C'est dû à quoi? Pourquoi il fait ça? Non, c'est juste comme ça. Je suis venu en France là, c'est froid, parce que c'est à cause du froid peut-être. Souvent, il dit, bonsoir madame, bonjour. Quand je vois des gens dans la rue, ils sont un peu pressés. Bonjour madame. Il dit, ouais, peut-être c'est le froid. Mais je vais terminer par ça, mon dernier verset, s'il vous plaît. Mon dernier verset, c'est un verset que j'aime bien aussi. C'est un verset que j'aime bien, par la grâce du Seigneur. J'espère que je ne vais pas me tromper. Voilà, merci Seigneur. Matthieu 5 au verset 47. Matthieu 5 au verset 47. La parole dit, et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le réveil, c'est faire des choses extraordinaires par amour pour le Seigneur. Pour réveiller les gens qui dormaient par rapport à comment le péché a surabondé. Comment toutes ces choses ont surabondé à tel point qu'ils n'ont plus le référentiel de l'amour. Elles se réveillent. Ah bon? C'est extraordinaire. Oui, c'est gratuit. Et c'est par amour pour le Seigneur que je fais ça. Mais qui est ce Seigneur pour lequel tu fais cet amour? Viens. Dans Cantique des Cantiques, à un moment donné, la Shulamite a tellement parlé de son amoureux que les filles de Yerushalayim, elles disent, mais c'est qui ton bien-aimé? Viens, assieds-toi. Ouais, tu veux que je te parle de Yeshua Mashiach? Assieds-toi. Que le Seigneur soit béni.